Tu me vois, c'est bon, il y a tout. Ouais. Nickel. Moi, je suis trop content. Tu sais que je fais très peu de live comme ça, de chez WAM et tout. Je suis trop content. Eh ben, bienvenue. Installe-toi. Et ce soir, tu vas repartir peut-être avec un excellent lot. À gagner, Seb. Ça devient très sérieux. L'eau de bain de Squeezie. Alors. La kit brosse à dents. Une flûte à bec, un hand spinner, un cerf-volant papillon, une casquette à hélice, une piscine gonflable, un mini sapin de Noël, FIFA 23, un masseur électrique, un casque Logitech G432, une souris Logitech, une enceinte Bluetooth, une carte cadeau Amazon, une paire de sneakers, un Polaroid, un clavier, une Switch Lite, une Xbox Series S, une Apple Watch, un Oculus Quest 2, une PS5, un vélo électrique et une voiture. Voilà ce que tu peux possiblement gagner ce soir. Je peux gagner... On peut gagner deux Play 5? C'est le hasard. C'est le pur hasard. Tu peux potentiellement gagner même mieux que la PS5, tu vois, le vélo ou la voiture. Vélo, ça me plairait. Vélo à faire gagner, c'est vélo c'est électrique, stylé. C'est stylé, ouais. C'est vrai. Même Oculus, hein, ça tue. Oculus, c'est pas mal, ouais. Après, Oculus, moi, ça me file chaud. Un peu la gère. Moi, j'ai le motion sickness. Mais oui, c'est très bien. Apple Watch, bon... pas ouf, je trouve. Enfin... J'ai pas passé le cap de comprendre et de trouver que le truc est utile. Ça m'a fait un peu de l'œil à un moment donné. Je sais que toi aussi. Ouais, t'étais moi aussi. Un peu ouais. En mode, ouais, est-ce, moi que, aussi. Est-ce qu'on se le prend ou est-ce qu'on se le prend pas? J'ai pas passé ce cap, donc. Pff. Et En fait, Xbox. Apple Watch, si tu tombes sur un gars déjà qui a un iPhone et qui. Ah bah non, toi tu le gardes pour toi là. Toi tu le gardes. Non, je vais faire gagner. Non, je fais gagner. Ok. Parce que si ça tombe sur un gars qui fait du sport et qui a un iPhone, en vrai, je trouve que c'est là où c'est utile, l'Apple Watch. C'est genre quand tu fais du sport et tout. Si t'es en mode genre ni t'as un iPhone, obviously t'es mort, ni tu fais du sport, pas très utile en vrai, je trouve. Mais attends, est-ce que je peux faire gagner à quelqu'un dans le chat? Ah, tu joues pour un Squeezos, ça veut dire? Je joue pour un Squeezos, mais qui est là, tu vois. Magnifique, magnifique. Comme ça, ouais, en fait, y a un vrai enjeu où en même temps on est ensemble et en même temps on n'est pas ensemble. Et en même temps, toi, tu peux pas non plus trop m'avoir. Ah, mais ça repose que sur toi. Moi, j'ai donné mon avis tout à l'heure avec Amel. C'est simple, j'ai donné une fois mon avis. C'était le vélo électrique, c'est le lot qu'il voulait. Donc je donne plus mon avis. Tu es seul, Seb. Je pense que des Squeezos, ils veulent du vélo électrique, de la Play. Bah oui, ils veulent tout ce qu'il y a là. Les périphériques Logitech, c'est cool aussi de ouf. FIFA, c'est cool aussi. Casquette à hélice, frère. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Ok, bah... comment on lance? Dis-moi. Alors, tu drive-moi. Tu vas choisir ton ticket. Tu vas le garder jusqu'à la fin de la partie et ensuite tu auras le choix entre le garder ou le switch avec le tout dernier ticket qui restera. Ok. Quel nom te fait de l'œil, Seb? Moi, écoute, je suis pas superstitieux ou quoi que ce soit, mais j'aime bien les chiffres porte-bonheur. Alors, c'est quoi? C'est genre 13? Non. Celui-là, c'est le pire. Oh. Non, franchement, moi, le 3 me suit toute ma vie. Oh, original, frérot. Pourquoi tu y racontes? Je sais pas, il y a tout le temps... Il y a tout le temps le 3 qui pop dans des trucs de ma vie, que ce soit autant sur des dates importantes pour moi, que ce soit sur des trucs un peu de hasard, je sais pas, c'est quoi le dernier 3 qui est venu? Je sais pas, il y a le 3 tout le temps. Seb, c'est 3 lettres, je suis né un 3, mois de mars... Ok, je suis déjà convaincu, Il y a que le 3 tout le temps. Ok, donc on prend le 3. Alors attends. Parce que c'est peut-être un contre-piège. Prends tout ton mais temps. C'est important. On peut changer. Là, j'ai vu, moi, sur le stream avec Kamel, là, qu'il y a toujours moyen que Jumbo, il te fasse switcher. Ouais, Jumbo, il va te faire des offres selon ce qui a été éliminé. Et en gros, les offres, c'est la valeur moyenne entre le lot le plus bas et le lot le plus haut qui reste en jeu, en gros. Vas-y, je prends le 3. Bah ouais, l'histoire elle est belle. L'histoire elle est belle. Allez, t'as 5 tickets à éliminer. T'as 5 lots à éliminer. C'était mon chiffre au GP? Au GP d'ailleurs. Ah ouais, c'était le 3 ton chiffre? Ouais. Putain, 3, mec, il y a trop une belle histoire. Je suis sûr qu'il y a un truc bien. Ok. Bah tu sais quoi, on va enlever le 13 en premier. Tout ce qui nous portera malheur. Tous les autres 3, tu les dégages. Ouais. Ok, 13, ça saute. 13, t'es une casquette à hélice, mec, que t'as souligné. Incroyable, ça dégage. Ok, incroyable, magnifique. Et ensuite, putain, mais Seb, il est mystique, il va faire une bête de run, j'en suis sûr. 23, voilà. 23, ça saute. Ouais, tous les 3 qui sont pas 3. Ok, tu gardes que l'original. Ok. Ouais, c'est ça. End spinner, mais merveilleux, Seb. Ça dégage. Continue comme ça, putain. Incroyable. Alors, non, j'allais dire FIFA 23, mais c'est pas un numéro. putain de merde.
Non mais si c'est le prochain truc qu'on élimine, c'est FIFA 23, il y aura vraiment plus de 3 en jeu. Ah si, il y aura Logitech G432. Ah oui, il y aura lui à virer. Il y a Et puis lui et c'est lui à bon. virer. Ok. Bon. Je sens que le FIFA 23, il est derrière le 11. On dégage le 11. Ouais. Ah ouais, il est sûr de lui. Attends, là peut-être une clim. Ouais, PS5 directement. Clim. Ah waouh, il est parti directement. Aïe 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 aïe. Ah Voilà, waouh. strap Allez, pourri. Squeezos, vous aurez pas la PS5. Allez dans le chat de Kamel si vous voulez la PS5, il allait la faire gagner. Mais ici, il n'y aura pas la PS5, c'est fini. Je suis trop désolé de fou. Ah C'était bah nul c'est le cette jeu, théorie. frérot. Pourquoi le 11? Ok, c'est tous les chiffres qu'en fait. Attends. Le 12 en fait, c'était le 12. 1 plus 2 égale 3. Oh putain, il a C'était raison. lui, putain. Il a raison. Et c'est l'ensemble de tout ce qui dégage. T'as raison, t'as raison. 1 plus 2 égale 3, t'as raison. Putain, je me suis que trompé. 21, 2 plus 1, 3. 21, 2 plus 1, 3. Attends, mais putain, mais la technique, elle est imparable là. Mais ça marche en plus! Offre de Jumbo. Une enceinte. Bon. Oh, bah non. Ouais, c'est pas Franchement, ouf. Ouais, à Jumbo, ce faites stade, un pas trop effort. d'enjeu. Pas trop d'enjeu. 4 moins 1 aussi, ça fait 3. 4 moins 1, ça fait 3, mais. Je crois que c'est le dernier d'ailleurs qui reste, ouais. Ouais. Ah. Mais encore une Allez, fois, ça dégage. je. Ça dégage? 4 moins 1, 3, ça Ouais. dégage. Allez, 4. J'aime bien qu'on élimine le milieu là. Et c'est le casque qui dégage. C'est Le le casque. casque qui Ouais, dégage. le milieu, effectivement, continue de taper dans le milieu. Quelle va être ta nouvelle strat? Écoute, là, j'ai plus envie de dessiner une forme. Le 9 et 10 me fait chier. Le 15 et 16 aussi. Je vais faire deux colonnes dans les tickets. Comme il y a deux colonnes aussi. Ok. J'ai l'impression d'y voir plus clair, tu vois. Ok. Deux lignes, tu veux dire, ou deux colonnes? Ouais, de lignes, mais. Enfin, de Ok. colonnes enfin, horizontales, quoi. Ok. En vrai, on est pas mal, hein. Il y en a 4 de l'autre côté. Pour le moment, c'est super. Mais tu connais, ça peut vite changer. Ok, ouais, le 9. Je vois le chat, il y a des gens du chat qui disent 9, le 3x3. Effectivement. Alors, on élimine les multiples maintenant? Donc le 6, le 9, le 9, le 15, le 18. C'est une bonne strat. En fait, testons sur le 9, parce qu'il reste dans les colonnes du milieu, voir si la strat est bonne. Ok. Le Polaroid, ça va. Ça va. Franchement. D'ailleurs, je sais pas ce Franchement. qu'il fait entre une paire de sneakers et un clavier. Quoique, ça vaut cher, je crois. Une Non. paire à. Le clavier vaut un peu moins cher. Le clavier vaut un peu plus cher, pardon, que la paire de sneakers. Le clavier coûte genre 180 balles et la paire, c'est genre 130. Ah mais oui, mais moi, Polaroid, pour moi, c'est les jetables. Bah c'est ça, c'était un appareil photo jetable. Bah, ça vaut rien. Ça vaut 10 balles, non? Non, t'es un ouf. Ah non, Ah non, non. ouais. Ah non, l'appareil. Non, 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 ça coûte 100 et quelques. Hein. Mais c'est pas genre 10 balles au bureau de tabac? Ah mais non, ok, non. Toi tu parles du Kodak, tu parles de l'appareil jetable. Excuse-moi, excuse-moi, c'est moi, je me suis mal exprimé. Non, non, là c'est un Polaroid, tu sais, pas jetable. Ça imprime la photo, tu sais. Ah, celui où la truc elle sort direct. Ouais, la truc Ok, elle sort direct, c'est ça un oui. Polaroid. Non, C'est vas-y. moi, excuse-moi, je t'ai dit un jetable, mais pas du tout. Non, c'est moi qui ai dit jetable en plus. Je crois que c'est moi qui ai Mais dit c'est que je jetable. croyais que c'était ça, Polaroid. J'ai toujours fait le. Non, 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 J'ai toujours un confondu. jetable, c'est un appareil photo jetable. C'est un Kodak, quoi. C'est la marque, c'est number one. Et un Polaroid. Polaroid, ça vient de la marque Polaroid aussi, en fait, les gars, je crois. Comme un Mais Polaroid, frigo. c'est Kodak? Il y a peut-être des Polaroid Kodak, mais non, 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 Polaroid, c'est Oh pas Kodak. la hauteur du débat à Polaroid, 23h. c'est la marque. Ouais, putain, les Oh débats de merde. J'ai l'impression qu'on est en le terrasse à Paris. cul. Polaroid, c'est la marque Ah, c'est une marque. des appareils où, tu sais, quand tu prends une photo, ça imprime. C'est un Polaroid. C'est la marque. C'est la marque la plus connue de ce type d'appareil photo-là. Bon, dans tous les cas, ce sera pas le cadeau. Ok. Donc c'est pas grave. Oui, effectivement. Écoute, j'ai envie de virer quand même encore à gauche. Parce que j'ai envie qu'en fait d'avoir des offres un peu. Parce que la Play 5, elle peut revenir en offre. Ouais, mais alors pour qu'elle revienne en offre, faudrait qu'il te reste la voiture, le vélo et genre l'Apple Watch, tu vois. En dernier truc, en tout dernier truc. C'est compliqué. Mais ça se tente, ça se tente. C'est une strat pour sauver le truc. Possiblement elle peut revenir. Mais ce serait vraiment légendaire. Ok, le 16. Le 16. Ouais. Switch Lite qui saute. Oh, je suis Ah dead. ouais, dommage, les gens ils l'aiment C'est bien vraiment bien celle-là. la Switch. Ouais, c'est vraiment bien la Switch. Ouais. Attends, je trouve que je fais trop des choix hasardeux là. Je suis dans une Bah mauvaise ouais, phase. après les stats font que t'es quitté, ça équilibre là. Ouais, c'est normal. Ah ouais, il y a 4-4. Ouais.
4 d'un côté, 4 de l'autre. Un cerf-volant papillon. Qui n'en a t'as vraiment rêvé. Ça, de base? Ouais, ouais, on a vraiment les liens qui correspondent à chaque truc. Qui n'en a jamais rêvé de ce cerf-volant papillon, les gars? Sur la plage en Bretagne. Ça ressemble à quoi? C'est ce que tu imagines. C'est vraiment c'est ce que les trucs quand on était gosse et que ça fait... Ouais. Putain. C'est un peu stylé, j'avoue. Écoute, le 24, j'ai envie de le garder longtemps. C'est mon département de naissance. Pareil. Ok. 3 et 24, tu gardes, ok. 3 et 24, j'ai un peu envie. Je pense que le 1... Tu sais, c'est un truc, on l'isole toujours, on n'y pense pas. Mais il est vicieux. Faut le virer. T'es sûr? Ah, vu que j'ai un doute, non, pas pour l'instant. Mais si le prochain, c'est un gros truc que j'enlève, on virera le 1. Ok, ok, c'est noté. C'est noté. Donc là, dans l'instant... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer sur notre lignée, on enlève le 15. Oh putain. Si c'est un gros truc, le 1, il saute direct, je te le dis. C'est un clavier. Bon, c'est pas un gros truc, ça, mais... Ça va, ça va. Mais ça moi, va. Je veux enlever de la brosse à dents, là. Bah c'est ouais, horrible, ouais, de la brosse à dents, de la flûte merdique, là. Oui, la oui. Flûte, c'est nul, quoi. Oui, oui, c'est nul à chier, oui, évidemment. Encore FIFA, c'est ok, tu vois. Tu fais gagner un jeu, c'est cool. Genre, pour quelqu'un qui l'a pas. Masseur électrique... Pff. Ma sœur électrique, franchement, t'as quelques courbatures, tu vas souvent à la salle, it's ok, tu rentres, tu te fais... Tu t'étais ouais. Fait toi au GP ou pas? Non, je l'ai juste entendu. Ah oui, oui, souvent il en a fait contre les murs. Oui, oui, oui. Moi, je non, l'ai fait, moi... mec, j'avais trop mal au cou, je l'ai fait, je te jure que ça fait du bien de ouf. Mais je crois que ça marche pas du tout sur moi. Ah ouais? Parce qu'en fait, je pense que je suis tellement squelettique que j'ai l'impression que ça me fait pas du bien. Y a pas de matière à... Non, ça me bouscule juste tous les os du corps. Et j'ai l'impression que ça me désarticule. Ah, c'est drôle. Ah, c'est trop drôle. Pas ça agréable. Peut-être tu le mets trop fort, tu peux le mettre pas en fort aussi. Peut-être, je sais pas. Ou peut-être les gens qui me l'ont fait, c'est pas assez bien. Je sais pas. J'ai jamais été trop... Et ce 10 là, t'as pas envie de sectionner en deux parties là, la map là? Bah si, mais... J'ai l'impression que j'ai fait des mauvais choix là. Seb, y'a pas de mauvais choix. Enlève ce 1 s'il te plaît. Allez. Qu'on enlève cette eau de bain, cette brosse à dents là. Et c'était l'Apple Watch, Seb. Mais putain, je suis une merde de fou, faut que je fasse l'inverse. Faut que je fasse grave l'inverse de tout ce que je dis. Est-ce qu'on va la prendre cette enceinte Bluetooth ou pas, Seb? Ah, attends. Non, y'a trop de trucs en jeu encore. Okay. Ouais, non, vas-y. Seb, okay. C'est simple, quand t'as une réflexion, je ferai l'inverse de ce que tu dis, ok? On va voir si ça marche. Putain, je suis trop naze. Y'a pas un peu du chat là qui peut me donner du... Ils vont te lundi, refuse évidemment. Putain. Le 17, c'est quoi le 17? Le 17, c'est la police. Le 18, c'est les pompiers. Mon père est pompier. Je peux pas faire ça. Je peux pas l'enlever. Le 18, 24, tu m'as dit que tu tenais. Ouais, le 3, j'y tiens. Le 7. C'est quoi 7? Ça sert à quoi 7? 7, moi 7 sur 10 c'est une note qui régale, mais le 8 je le trouve beaucoup mieux que le 7. 8? Écoute, j'ai sorti une vidéo là, elle est 8 sur 10, ça me casse les couilles. Viens-moi ce 8. Ah la ref de ouf! Ah la ref de malade! Ah, attends, je vais te dire combien elle vient d'aller. Comme ça je vais te rassurer. En fait, les gars, pour ceux qui savent pas, sur l'appli YouTube, t'as YouTube en temps réel, ils te disent par rapport à tes 10 dernières vidéos sur le même laps de temps que ce que tu viens de sortir, il te fait un classement. Donc genre tu peux regarder, après tu peux regarder dans les 5 premières heures que tu fais ta mise en ligne, ta vidéo elle est première, et dans les 3 jours en fait, au bout de 72 heures, elle est 7ème, tu vois, parce que les autres ont fait plus de vues sur plus de temps. La mienne, la dernière, elle est 7ème, Seb. Oh. Ah, il y a les deux. Mais très très gaulerie, le 8 sur 10, ça me casse les couilles. Très gaulerie. Franchement, juste pour le momentané, jouons ce 8. Ok. Et conservons ce set. J'espère que ça va pas te porter. C'est mini sapin. C'était bien, voilà. T'es bien. Ça dégage. T'es bien. Très content. Les gens ont tous déjà un sapin chez eux. On en a pas besoin. C'est vrai. T'en as un, toi? Non. Moi non plus. Franchement, et en plus, c'est des trucs que je trouve cool, mais genre, pas à faire. Ouais, pareil. Genre, je vais chez quelqu'un, je kiffe, mais j'ai la flemme de m'en occuper. J'ai la flemme d'acheter un sapin et tout, tu vois. Limite, je mets un fond d'écran sapin, comme ça au moins. Ouais. Oh, là c'est vraiment flemmard. C'est pire que, parce que autant le feu de cheminée dans l'écran je capte, tu vois, ouais. ça crée un petit délai, une illusion. Autant le sapin, bon, c'est vraiment une photo de... C'est vraiment
C'est vraiment flemmard, je fais bah si, regarde. En plus, tu dois mettre, si tu veux que ça soit vraiment sympa, tu dois mettre ton écran à la verticale, comme ça, c'est vraiment genre horrible. Alors, qu'est-ce qu'on élimine, Seb? Putain, éliminons. Attends, oh, il y a de la symétrie qui se fait logiquement là. Enlève-moi ce 20. Allez hop, ni une ni deux. Ouais, franchement. C'est la piscine qui saute. Seb, c'est super. Regarde, tu rattrapes, rattrapes. Gonflable en plus. Tu as peut-être gagné le vélo que Kamel, il voulait hein, négocier avec lui pour échanger avec la PS5. Hein. Ah, en vrai. En vrai, ça se négo, ça. En vrai, le vélo okay. Et la voiture, c'est ouf. Je veux faire du gruyère. Tu vois ce 6, là? Ouais. Ah, là, ça wow, va faire un gruyère pas partout. Mal. Pas mal. C'est le masseur électrique. C'est bien, Seb. C'est bien, Seb. Je suis très content. Mais j'ai un mastoc de tes trucs les plus pourris que le jeu devient dangereux, là. Ouais, ouais, ouais. Bah, t'as le meilleur et le pire. Dangereux. T'as le meilleur et le pire actuellement. Ok. Allez, j'essaie de croire un peu en la chance. Putain, le 3, c'est le dernier qui reste qui garde ce trou. Ah non, il y a le 18. Allez, j'espère que mon père me porte chance. Allez, 18. Ok. Ouah, il est limite la date de son père. Et c'est l'Oculus Quest qui saute, frérot. Putain, pourquoi je suis comme ça? Putain, Seb, je t'ai connu plus chanceux. À offre de Jumbo, le Polaroid. Moi, ça me... Je sais pas, ils en pensent quoi, le chat? On refuse ça, c'est nul. Bah, il reste quand même la voiture et le vélo. Un vélo électrique, quand même, les un gars. Un vélo électrique, c'est ouf, quand même. Et une voiture télécommandée, hein. Mais lourd, stylé. Enfin, c'est une voiture... C'est, tu vas voir, c'est une super voiture. On refuse? On refuse, ouais. Ouais, on refuse. On dégage. Refuse, ok. Ok, la prochaine offre, c'est dans 3 tickets. Si tu vires 3 trucs d'ici, il va te proposer un truc genre... Ouais. Je pense qu'il peut te proposer la Switch et que t'aurais intérêt à accepter. Mais pour ça, faut éliminer 3 trucs de là. Il faut que je vire cette brosse à dents, là. Je sais pas pourquoi. Ouais. Est-ce que je tente un move de fou et je vire ce 3 que j'ai pris depuis le début? Tu peux pas. Tu pourras que à la fin le swapper avec un autre. Oh non. Et ouais. T'es lié okay. à lui. Ok, tu sais quoi? Je vais virer le 10. En fait, dans les probabilités, moi j'ai vu la fin du truc de Kamel, et c'était derrière le 10 qui avait la PS5. C'est ça? Bah non, parce qu'il l'a gagné. Donc il y avait le vélo électrique, je crois. Non, c'était derrière le 6 qui avait le vélo électrique. Le 10, je sais plus ce qu'il y avait. C'est... Mais si, il a pas dit Léo Messi. Si, si, il a parlé de Messi. Ah oui, si, si, pardon, excuse-moi. Je croyais un truc éliminé. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc stratégiquement, il y a pas un truc de ouf derrière Léo Messi, là. À deux fois. Ça veut tout rien dire, Seb, mais... mais je te suis, t'as qu'un mot à dire. Ça dégage. C'est deux mots, mais ça compte. Okay. C'est FIFA 23 qui saute, Seb. T'avais okay, raison. Ça va. Fais-toi ça confiance, va. Bordel, ta théorie, elle est bonne. Oh, t'as créé un joli truc d'asymétrie mignonne, là. Ouais, c'est sympa. Ouais. Ok, ça fait des petites guirlandes. Ouais, c'est mignon, il y a juste lui qui gâche, mais c'est, on peut pas le retirer. Ok, là... Là, j'ai plus sur quoi me rabattre. 24, la Dordogne. 19, date de naissance de ma meuf. Ok. 22. 24, c'est Noël. 22. 22, il y a quoi? 22, le shérif. C'est nul, 22. 22, il y a quoi? Ok, 22, il y a rien. 17, c'est la police. Attends, l'arrondissement. Qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière la police? Carte cadeau Amazon. L'eau de bain, c'est sûr. Il y a clairement une voiture derrière la police. Il se déplace en voiture ou en vélo. Il y a clairement une voiture ou le vélo. Ah. Mais tu m'induis là, c'est bizarre. Tu as raison, je m'excuse et je t'écoute. 17, c'est le meilleur âge. Pas du tout, les gars. Oh, pas 17, du c'est tout. L'entre-deux. Ah, c'est ouais. Vraiment l'entre-deux. C'est relou, il se passe 17. Rien, quoi. Ah ouais. 16, t'as un peu ce truc du ah putain, ça y est, ça commence. Ouais, t'as un peu ce truc de je suis ado, je kiffe, mais bientôt je vais avoir un peu de responsabilité, merde. 17, ouais, commences c'est à... le pire âge. C'est que tu veux faire les trucs de 18, mais tu peux pas. Ouais. Parce que t'as pas 18. Mais si tu fais les trucs de 16, t'as l'air trop con, puisque t'es quand même plus vieux, quoi. Faut passer à autre chose. C'est vrai que ça pue la merde, 17. 17, ans, c'est ça nul pue à chier. Ouais, c'est vrai que c'est horrible, 17. Bon, allez, viens-moi ce 17 là. Oh, attention! Alors, est-ce que c'était les policiers qui se déplacent en vélo? C'est ça! Oh!
Mais genre, c'est pas scripté, frère. Je te jure que c'est pas scripté, frérot. Oh putain. Oh non, mais là, mais même la voiture. Mais quoi, télécommander? Mais C'est quoi ça? non, mais c'est une option, tu verras. C'est une Ah, c'est une option. option, ça C'est une va. Ok. option, je te montrerai. Comme Villebrequin, là, il télécommande des vraies Exactement, voitures. exactement, exactement. Tu Ok, ah, sais, ça va. avec l'appli Tesla, tu peux télécommander aussi. Enfin, je vais te montrer, je vais te montrer. Ok. Oh Qu'est-ce qui putain, saute, Seb? je suis en train de faire une game kata. La symétrie, enlève-moi ce 4. Hop là, c'est parti directement. Putain. Faut un truc de la colonne de gauche et la brosse à dents, Seb! Putain, yes. Ok, Ok. la propale est peut-être pas mal, attends. Clavier. C'est le Les clavier gars. Logitech G915. Moi, je suis désolé, j'ai envie d'aller chercher un truc entre la voiture et la Xbox et qui me propose une Switch. Ah non, c'est en dessous. Ouais, mais si t'élimines là, il va te faire un truc toutes les deux éliminations. Tu vas éliminer deux trucs, il te refait une offre. Tu vas rééliminer deux trucs, il va te refaire une offre. Putain, non, mais c'est pourri, c'est pourri. Pourri. Je Si prends tu pas le tombes clavier, je tombes sur genre flûte et haut de bain, il y a moyen il te propose genre une Apple Watch ou un truc comme ça. Mais haut de bain, tu le ferais pour de vrai? Ouais, je fais pour de vrai. Et Parce que ça, à la je t'envoie limite, un c'est petit gaulerie. coffret. Je t'envoie un petit coffret, il y a la photo de moi dans le bain et il y a un certificat d'authenticité de l'eau du bain. Oh, mais moi, vu que je veux le faire gagner, tu l'enverrais à un Squeezos? Bah, c'est de l'eau de bain, qu'est-ce que tu veux qu'il En fasse? vrai, non, mais c'est une joke trop marrante. Tu sais, t'as une fiole comme ça. Tu Et l'as je fais un gagné. design, je te prends une fiole trop belle, genre je fais un bête de design. Moi, je suis désolé, j'ai un peu d'affect pour ce truc-là. Mais Ok. c'est vraiment cette flûte et ce cerf-volant. Parce que tu peux toujours le tourner en dérision et c'est un peu rigolo, quoi. Ok. Tu vas finir sur un TikTok. Il y aura un TikTok de regardez, Un mec Elon qui unbox Musk. l'eau de bain. Allez, je refuse ce truc-là, là. Ok. Désolé pour ce clavier. Ok. J'espère que c'est un bon call. Ok. Et je Franchement, vais mec, chercher cette flûte. si t'as la chance d'éliminer deux trucs de la colonne de gauche, t'es royal, genre vraiment. Ouais, franchement, ça peut faire remonter le tout. Ok, je vais virer le 2. On est sûr. Ouais, il y a une flûte ou un cerf-volant pourri, quoi. Ça saute. Il y a un cerf-volant pourri. T'as raison. Il y a un cerf-volant. Mec, si le deuxième, tu re-retires un truc de là, l'offre de Jumbo, elle va commencer à être vraiment intéressante. Voilà, propose pas du clavier là, du truc propose-nous, tu vois. Ok. C'est la presse un peu, tu vois. Ok. Il reste une Xbox quand même, ça va, c'est cool. Des sneakers, tu repars pas avec rien. Ouais, sneaker, c'est cool aussi en vrai. Allez, faut que je vire cette Il faut flûte. bien tomber là. Il faut bien tomber là. Ok. C'est la fin d'année. On dit au revoir au 22 de 2022 pour passer en 2023. Enlève-moi ce 22. Ouh, pas mal, mais alors, ok, pas mal, j'aime beaucoup. On est sûr? Ouais, on tourne la page. On tourne la page, mais peut-être un peu en avance, Seb. C'est une carte cadeau, t'es bien, t'es bien, t'es bien. Qu'est-ce Ça qu'il va, propose? ça va. Il te propose la Xbox. Waouh. Il propose la Xbox. Xbox série S d'une valeur de 230 euros. Mes frères, c'est mieux que c'est déjà mieux que la voiture, non? Mec, je suis désolé. Non? C'est peut-être mieux que la voiture. C'est peut-être mieux que la voiture. Genre là, j'ai l'impression Putain. que Putain, j'avoue que c'est pas mal. Mec, J'avoue. genre y a pas de jeu là. Ok. Ok, Il m'a attends. proposé. Laisse-moi. Alors, oh, excuse-moi. Laisse-moi te montrer. Laisse-moi te montrer la voiture quand même. Quand même. Ok, Comme vas-y, ça, ouais. vous prenez votre décision. Louis, est-ce que tu peux me mettre la voiture ici, là? J'ai oublié le lien. Attends, mais ça tue, parce que si on... Ça veut dire qu'on aura eu, si jamais j'accepte, évidemment, on aura eu que de la console ce soir, quoi. On n'aura eu que de la console et c'est ce qui régale les gens en plus. C'est vrai. Attends, je suis en train de regarder. Voilà. Voilà la voiture. Ah, attends, c'est de la giga voiture. C'est de la big bagnole, mon frérot. C'est une voiture télécommandée qui est Oh. gigantesque Mais what? et qui monte à 100 km/h. C'est une 1 Mais... huitième. Elle fait 54 cm, les gars. Elle fait cette taille. Ok. Elle a des LED dessus.
Et croyez-moi, vous allez drifter à n'en plus finir. Attends, est-ce qu'on peut se faire ce kiff de... Tu peux copier-coller un peu le lien, là? Et voir s'il n'y a pas une petite vidéo... Ah, vas-y. Genre sur YouTube j'essaie de te ou quoi. Ça, j'essaie de te trouver ça. Juste méga curieux, en fait. 84 cm, mec, ça fait presque un mètre, c'est énorme. Non, 54. Ah. Attends, j'essaie de te trouver ça. Crawler... c'est un quoi? C'est un 1.8. C'est de la curiosité. Ok les gars, regardez. C'est génial mec. Attends, j'essaie de trouver un vrai truc ça, bien. Attends. Ça fait 5 cm ça frère. Mais oui, non mais attends, elle est pas bonne. Je pense que c'est comme ça genre, ça fait cette taille. Attends. Ouais, voilà. Regardez chat, ça fait cette taille. Wow. Pas mal hein. Mec. On dirait un jouet pas ouf. 1200 balles. Comment ça coûte 1200 balles là? Louis XII se fait arnaquer comme ça là. Attends mais Lucas, c'est pas du tout celle de la photo. On a un buggy un peu stylé qui est dans la terre et là on nous donne un... Oui, c'est vrai que là on a pris une énorme douille là. Putain, on a pris une énorme douille là quand même. C'est pas du tout la rêve du truc quoi. Ah, ça grimpe tout. Ah, ça grimpe tout par contre, ok, effectivement. Écoute, Lucas... Ça grimpe une GT3 RS. Ok, attends. Ok. Et si à la place de cette voiture, on met une PS5? Ah. On vend tous les composants au détail. Et ouais. T'as le droit de faire ça? Ah, regarde, attends, j'ai une vraie vidéo. Ouais, attends, j'ai une vraie vidéo, regarde. Toute technologie, mais son prix n'est pas donné. Si cela peut freiner les amateurs, les vrais passionnés seront prêts à faire de l'investissement. Vous pouvez la retrouver en cliquant sur les liens disponibles en description de la vidéo. Déjà là, je sens les 100 km/h. Numéro 1, Zetto Spirit Q901. Pour faire au compteur, elle est... Ça c'est une autre, nous c'était celle d'avant les gars, nous c'est ça. Volontairement. Son châssis est étudié pour avoir un centre de gravité bas permettant une conduite rapide et agressive. À offrir à quelqu'un, si malgré tout je sais que le bolide venait bon à moment. Se retourner, vous pourriez et facilement et cette le remettre sur elle va ses roues grâce à la fonction anti-retournement. Breveté de Traxxas. Maintenant, elle va se le faire croire. Autre point fort de cet engin, bien qu'il soit livré totalement... Elle va surtout le mettre sur le bon coin en une seconde. Tu m'offres ça, c'est sur le bon coin dans la minute, frérot. Ok. Exceptionnellement, pour les Squeezos, la voiture devient une PS5 si tu décides de rester en jeu. La voiture devient une PS5 si tu décides de rester en jeu. Ah, t'as qu'à ma frise, merde. Oh shit. Retire-la et remets. Attends, j'éteins, je remets. Ouais, vas-y. Enfin, via Discord, genre. Et retire et remets via Discord. Attends, tac. Voilà. Si tu remets. Ah, c'est bon. Voilà, Let's go. Magnifique. Attends, alors attendez, moi là j'ai besoin d'avis du la chat. La voiture devient une PS5, chat. En imaginant qu'il reste quand même la Xbox et la PS5. Ça change tout pour moi. Parce que ça voudrait dire que... Là, en fait, je pense que... En imaginant qu'il n'y a pas voiture et que je voyais le PlayStation 5 ouvert comme ça, je me dirais que on peut quand même atterrir sur un flûte-à-bec PlayStation 5 qui régale quand même, tu vois, à la fin. C'est vrai. Et on peut tomber, au pire, retomber sur un flûte-à-bec Xbox et à ce moment-là, je regretterais pas le fait d'avoir continué. Par contre, c'est vrai. Si là, maintenant... Après, c'est une série S, la Xbox, c'est pas une série X, hein, donc c'est beaucoup moins bien que la PS5, chat. La PS5, qui, je le rappelle, si vous la voulez à Noël, elle coûte 900€. Est-ce que le chat peut me faire sa préférence entre Xbox et PS5, juste comme ça En France, on a 75% de PlayStation. Ok, pas besoin. Ou 79 même, je crois, la stat, elle est énorme. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait, c'est un vrai kiff de faire... pouvoir offrir une play quoi. Ouais. Ça me régale quoi. Une play Xbox, c'est... Play. Chat, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez inciter Seb à continuer pour la PS5? Sachant que c'est l'un d'entre vous qui va gagner à la fin, là on va tirer quelqu'un au sort direct pour qu'il gagne ce que Seb aura gagné. Ou est-ce que vous voulez dès maintenant on tire au sort quelqu'un, il part avec la Xbox Series S? Qu'est-ce qu'on fait? Série S, c'est celle où tu mets pas le... T'achètes que le jeu... Ouais, c'est ça. Série S, elle est... Série S, c'est elle, regarde. J'en ai une là, sur le côté. Série S, c'est ça.
Et elle est aussi moins puissante, c'est-à-dire les jeux ils sont moins ouf, ils sont moins beaux. C'est celle-là, c'est la petite. Ok, ouais, ok, ok. Donc c'est vraiment pas... Franchement, tu remets en jeu un truc de fou. On récupère une Play 5, et pour le beau jeu, il reste quand même 5 boîtes. Dans le pire des cas, je pourrais retomber sur le truc que je refuse aujourd'hui. Donc j'ai un peu envie de continuer de me dire, les gars, je vais aller chercher une Play 5. Il se passe un truc de fou là sur ton... Une Play 5. Ah ouais, waouh. Qu'est-ce qui se passe? T'es dans le code. Ah non, il est en train de là, il est en train de modifier pour que ce qui s'affiche ce soit PlayStation 5. Oh waouh. Et franchement, c'est un très beau geste de ta part, Lucas. Parce que c'est vrai que cette voiture... Bon, voilà. Cette voiture, c'était un bon foutage de gueule, Seb. C'est vrai. On n'est pas sûr. Oh hop, non c'est... mais là, les gars, le jeu est différent, quoi. On va la chercher, cette putain de Play. Écoute, je refuse. Et si, à la prochaine boîte, c'est la Play qui tombe, je vous jure que je me rattrape et que je vais chercher cette Xbox. Ah bah là, là, t'auras plus le choix, frérot. Tout ceci sera du passé. Okay. Et n'oubliez pas qu'il reste une paire de sneakers, ce qui reste relativement très cool en lot de consolation. Et l'eau, du et l'eau de bain. L'eau de bain est fun. L'eau de bain reste fun. L'eau de bain, c'est une merveille, frérot. C'est un petit bijou. Je suis sûr que Michel 24 Marc aurait adoré que Eul 13, ça me régale de lire des noms de chat. Ok, je refuse. Allez. Tu refuses et tu vas chercher cette PS5? Je vais chercher cette Play. Allez, on y va. Pour les Squeezos, s'il te plaît, ne les déçois pas, Seb. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Seb? Seb! Ok, je vais virer cette flûte et ça va être légendaire. Si tu vires la flûte, là, t'es un roi. C'est vraiment le truc le plus... Ça, c'est un peu gaulerie à la limite. Ça, c'est toujours cool. Une nouvelle paire, ça fait toujours plaisir. Une Xbox Series, ça fait toujours... Si t'élimines la flûte, les gens sont gagnants dans 100% des cas, frérot. Il faut que je vire cette putain de flûte. Cette flûte, elle est derrière. J'espère. Putain, j'allais dire le 5, mais il y a PlayStation 5 maintenant. Ça me perturbe. C'est vrai. Mon côté, là, ça me perturbe. Il y a deux fois le même chiffre et j'ai l'impression que c'est un signe, genre. C'est vrai. Est-ce qu'il y a la PlayStation 5 derrière le chiffre 5? Ouais, mais j'ai pas envie de jouer la superstition. Pour ça, je m'enlève ce trigger que j'ai là. Et je m'enlève cette épine du pied. Ou que dis-je, cette flûte du pied. Ouh, alors ça doit faire mal. Allez, enlève ce 5. Et t'es je sûr prie, je regarde pas, je vais que entendre ta réaction. Ok. Vas-y. Mais non! Oh Seb. Quoi? C'était la flûte à bec qui te propose une Apple Watch, Jumbo! Ouais. C'était la flûte à bec! Oh mec! Incroyable. Alors là... Les gars, ça régale. Ok, ok, ok. Là, on joue. Apple Watch, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Il revient sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Non, mais à offrir, tu vois, c'est cool. Putain. Mec, si t'élimines l'eau de bain de Squeezie, là, l'offre, ça va être genre... Ça va peut-être être la Play 5, mais celle qu'elle a, là. Mais quoi, en vrai, un Jumbo, j'enlève l'eau de bain, là... Et il propose genre peut-être un vélo électrique. Peut-être je pourrais accepter le vélo électrique. Il propose, je pense t'enlèves l'eau de bain, je pense qu'il te propose l'Oculus ou la Play. Je pense. Ouais, s'il enlève la Play parce qu'on a remplacé la Play, c'est une dinguerie. Ouais. On aurait cassé le jeu. Enfin, t'aurais cassé le jeu. Ouais. En fait. Ce serait ouf. Les gars, je refuse l'Apple Watch. Apple Watch, c'est bien, mais je pense que les gens, ils en ont un peu rien à foutre, en vrai. Ouais, tu sais, c'est... Tu la portes... Ouais, bah ça vaut pas une PS5, mec, que t'as pendant les 4-5 prochaines années et qui te... Mais oui, et ça bougera jamais. Qui te réchauffe le cœur. C'est social. Bah oui. Tu t'amuses, il y a des jeux extraordinaires. Alors que sur l'Apple Watch, bon, tu vas courir, quoi. Globalement, je refuse. Allez. Ok, c'est refusé. Bon. Okay, maintenant, on rentre dans le vif. Là, c'est le vif du vif, frérot. Ok, où est cette putain d'eau? Où est cette putain d'eau? CR7, chiffre porte-bonheur, ouf. Ma meuf ou la Dordogne? CR7, le chiffre porte-bonheur de Seb, sa meuf, l'eau de bain. Ou la Dordogne qui est aussi le jour de Noël. Ces quatre nombres qui ont un symbole particulier à tes yeux. Peut-être que CR7 est le moins gros symbole, ceci dit, à tes yeux. C'est vrai que c'est vraiment le moins gros... Mais je veux pas t'influencer, Seb, je veux pas être responsable. Un peu triste pour lui dernièrement, mais... Un peu triste.
Un peu triste, c'est vrai. Je ne veux en aucun cas être responsable, Seb. Non, mais dans tous les cas, c'est celui qui a vraiment le moins de lien avec moi, quoi. C'est vrai qu'on n'est pas si potes que ça avec lui. On n'a pas partagé tant de moments que ça. C'est vrai. Et je vois pourquoi aujourd'hui... Mais en même temps, la dernière fois qu'un candidat a fait confiance en un footballeur, c'était Kamel avec le chiffre 10, qui est celui de Messi, et ça lui a fait gagner une PS5. Oui, non, mais là, t'essaies de m'influencer. Ah non, là où avant, tu ne le faisais pas. Je te donne les deux versions possibles autour de ce chiffre 7 aujourd'hui, les deux réflexions à avoir, Sam. Pouah, il y a quelqu'un dans le chat qui visiblement trouve ça long, il a dit « Il y a 24 lettres dans Eau de bain de Squeezie. » J'ai envie d'avoir compté les lettres. Mais il n'y en a pas 24 en plus. Oh, j'ai pas très envie de vérifier, mais je le crois sur parole. Allez, enlève ce 7. Comme ça, après, on fait que se régaler, en fait. Il y a l'eau de bain derrière le 7. Il y en a 19 des lettres dans Eau de bain de Squeezie. Oh, est-ce qu'on n'enlèverait pas le 19, alors? Putain! C'est quoi? C'est toi qui as compté? Ouais. Ou t'as lu le chat? J'ai compté. Si t'as compté, pour ce geste, pour ce temps, viron ce 19. Oh! T'es sûr? Que ma meuf me porte bonheur, je te jure. Allez. Il y a de l'eau de bain derrière ça. Il y a l'eau de bain. Mec! Il y a l'eau de bain! Mec! Est-ce qu'il te propose la PS5? Non, il te propose l'Oculus Quest! No way! Il te propose à un slot, t'étais sûr d'avoir la PS5. Puisqu'elle est là, je rappelle chat qu'on a transformé la voiture en PlayStation 5 parce que c'était une voiture télécommandée merdique. On était à un lot de la PS5. Putain, par contre là si t'élimines la paire de sneakers, c'est sûr t'as la PS5. Mais bon mec, là faut une chatte énorme. Ok, Moi pour moi la partie elle partait un peu en mode oula, un peu en n'importe comment, mais Non là c'est finalement... super là ce qui se passe, c'est super. Ah là là, c'est bien en même temps. Un Oculus Quest 2, c'est pas mal en vrai, parce que c'est indépendant, y'a pas besoin de le brancher à un ordi à une console, ça reste kiffant. Mais bon, en même temps, là, tout ce qui reste en jeu est kiffant, mec. Mais là, je suis trop content parce que coûte que coûte, on offre un truc cool, quoi. Ouais. Franchement, Ah putain, y'a des gens qui veulent prendre, des gens qui veulent refuser. En fait, j'ai l'impression qu'un Oculus, c'est un truc. Si on te l'offre pas, tu vas pas l'acheter de toi-même. Ouais. C'est pas un truc, c'est un truc si mais tu l'as, t'es content. Bon signe. Mais est-ce que c'est bon signe, ça? Les est-ce trucs, que c'est bon signe, tu vois? Oh. Moi, je pense que... Après, je sais pas, mais je pense que n'importe quel truc de la liste, là, entre les sneakers, la Xbox ou la Play, ferait plus plaisir qu'un Oculus, aux gens du chat. En fait, sur le... Je pense que durée... les gens s'en battent les couilles. Ouais, sur la durée, un Oculus, t'es perdant. Un Oculus, tu vas pas y jouer toutes les semaines. Bah, c'est ça. Il n'y a pas d'accro à l'Oculus. Il y a des accros aux sneakers, il y a des accros à la Xbox et des accros à la Play. Mais à l'Oculus, c'est plus rare, quoi. Et nous, on veut régaler des accros. Moi, je pense que, ouais, je pense que les trois objets qu'il y a encore en jeu seront mieux, même si tu tombes sur la paire de sneakers. Vas-y, refuse. Arrêtez-moi, chat, si je me trompe, hein, mais je pense vraiment que l'Oculus, vous en battez un peu les couilles. Ouais, et puis ça fait un peu mal à la tête, sur le long terme. Est-ce qu'il y a assez de jeux qui sont intéressants à développer avec? Mec, j'en entends pas parler plus que ça, ça me hype pas. Je sais pas si les gens sont comme moi, ou alors s'il y a des gros aficionados de l'Oculus et que je me trompe total, mais... Il y a peut-être des mecs qui passent leur temps dans le métaverse, certes. Ouais, mais là, t'as vu... Xbox, la Play, tu peux jouer avec tes potes. L'Oculus Quest 2, c'est genre globalement ouais. Solo, tu vois, c'est pas... Non, on refuse. Pas de hype. C'est refusé. Pas de hype. Seb, maintenant, il faut y croire. Qu'est-ce qu'on avait derrière ce numéro 3? Est-ce que depuis le début, on était sur la voiture télécommandée et donc est devenue une PlayStation 5? Ou est-ce qu'on était sur une paire de sneakers qui est déjà super ou une Xbox qui est déjà super? J'ai l'impression que quoi que tu fasses aujourd'hui, tu as gagné, Seb. Je suis trop content. Je suis trop content parce que j'étais là un peu en mode bon, t'imagines, tu repars avec une casquette à hélice. C'est vraiment genre merci d'avoir participé, quoi. Alors que là, c'est le plaisir de faire plaisir, je suis trop content, quoi. Là, maintenant, c'est vrai que le 7... En fait, j'ai l'impression que ça m'a porté bonne chance de faire ce move de pas prendre le 7 au dernier moment. Donc j'ai un peu envie de garder ce mystère qu'il a, tu vois. J'ai envie que mon pays natal me porte chance dans l'instant, que la Dordogne soit représentée
Et vive la Dordogne. En vous offrant l'opportunité de gagner cette Play 5. Et je vais te dire le 24. C'est vrai. Je vais te dire le 24, il est isolé, il est tout seul. Ce soir, c'est le 24 avant l'heure, c'est Noël avant l'heure. Exactement. Alors voyons voir. C'est les... Mec. Oh là là là. Oh là 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 là, là, là mais là, c'est là, incroyable là, 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 là. Mais quoi? Ah mais on a cassé le jeu. Mec, on a cassé le jeu. Il t'offre la PS5. On a cassé le jeu. Il t'offre la PS5. J'accepte. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain mec. Attends, tu sais ce que j'aimerais encore plus? Mais quoi? C'est que j'accepte là et que derrière le 3, il y avait quand même Play 5. On a, alors évidemment, t'acceptes évidemment, évidemment bah, t'acceptes, c'est PlayStation 5. Je suis trop content. Et derrière le 3, il y avait la PlayStation 5 derrière le 3, mec. Ouais. Wow. Je vous ai dit, il a un truc mystique, lui, c'est pas possible. Eh, le 3, tu vois, c'est nul comme à expliquer, mais il y a un truc derrière mais ce 3. Mais t'as un truc derrière ce fucking 3, t'as un truc mystique, putain les gars, c'est dinguerie. Il avait cliqué sur la PlayStation direct. J'adore, c'était presque scripté. Tout était rebondissant quoi. Mais putain les games elles étaient folles encore là. Oh là là, deux PlayStation 5. Oh, ça me coûte cher cette émission. Ah je suis trop content. Oh, tu sais parce que tout à l'heure quand je me suis connecté, je voulais voir qu'est-ce qui se passait et tout. J'ai vu Kamel, j'ai suivi ce qu'il a fait. Quand il a gagné la Play 5, j'étais là, j'étais en mode oh waouh. Il allait chercher le gros lot de fou. Genre mec, t'es allé la prendre et toi tu l'as eu dans une offre de Jumbo frérot. C'est vrai. C'est vrai que ce soir c'est Jumbo qui régale. Waouh. Je suis trop content. On l'a fait gagner dans le chat ou tu veux la faire gagner ailleurs frérot? Non franchement dans le chat ça tue hein. Eh ben vas-y. Alors comment on fait? Je sais pas si ça se fait des trucs comme ça. On pioche au pif au maître un pseudo Ouais Louis j'ai pas vu ce que t'as marqué parce que je vois pas en fait. La typo elle est trop fine, j'ai pas vu. Mais il avait marqué un truc sur mon écran. On va faire gagner ça les gars, on va faire gagner cette fucking PS5. Putain, Seb il vient, il gagne la PS5 et il vous l'offre les gars, franchement. Du bruit pour Seb chat hein. Sincèrement là. Ouais, non, il vient, il vous régale. Je l'ai déjà en plus, ça me servirait pas. Quel homme. Putain mais quel homme. Incroyable. C'est incroyable, attends Louis il va m'envoyer le nom du gagnant. Dans quelques instants chat, l'un de vous aura remporté. Mais les gars, dites merci à Lucas quand même parce que j'avoue, t'as changé la voiture. Ouais, t'étais pas mais obligé, normal, tu vois. Mais c'était la joke et je me suis dit, vas-y, il y a tellement peu de chances que quelqu'un tombe dessus. Mais si ça pèse vraiment dans la balance, tu vois, autant le. Ouais, ouais. Puis au final, c'est quasi le même prix vu que la PS5 là, pour que les gens ils l'aient à Noël, c'est 950€. Merci Lolo Titi 16 d'avoir regardé ce live et bravo pour ta PS5 Lolo Titi. Oh là là. 16. N'hésite pas à marquer un truc dans le chat pour vérifier que tu es là. Et je rappelle que New Max Twitch, tu as gagné le casque tout à l'heure Logitech X League of Legends. Et John Cook, tu as gagné la souris Logitech X League of Legends. Bravo Lolo Titi 16 mon frérot. Si t'es là, tu vas te recevoir ta meilleure PS5 pour Noël. Le régal, le kiff. On va te contacter en MP. Et tu peux évidemment faire ta meilleure carte postale à Seb pour le remercier. Bien joué Lolo. Seb, t'es un héros quoi. Tu viens, tu gagnes. Mec, je suis trop content, c'était incroyable. C'est trop marrant, et surtout, moi j'étais vraiment fan du jeu avec Arthur quand j'étais petit. Ouais, dit. Il est génial, il était génial. C'était un vrai. Avec le chacal, le. Enfin, mec, moi j'étais comme l'appel un. L'appel du banquier et tout était ouf, c'était incroyable. Mais il y avait un vrai banquier? Non, c'est juste un mec de la prod qui lui faisait des recos, je pense, tu vois. Non, mais est-ce qu'on lui parlait dans l'oreillette? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil quand même pour de je vrai? Je pense qu'il y a quelqu'un au bout du fil, je sais pas, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a quelqu'un au bout du fil. Est-ce que Lolo Titi a marqué un truc dans le chat? Oui, tu saurais me dire. Lolo Titi 16. Je pense que ouais, mais. Lolo Titi 16. Lolo Titi 16. Attends. Je pense qu'il a marqué un truc. Attends, j'attends que Louis me dise. Lolo Titi 16, il faut se montrer. Sinon. La PS5, je l'ai MP, faut qu'il me réponde, des fois le chat bug. Ok, Lolo Titi 16, tu as reçu un message privé. Twitch. Ça devrait s'afficher en bas de ton écran, dans ta messagerie Twitch. Va checker, on te laisse une ou deux minutes. Si tu réponds pas, on relance le tirage. Bah merci Seb en tout cas frérot, et merci pour Lolo Titi ou pour s'il répond pas à l'autre personne qui gagnera écoute, la PS5. C'était... Bravo c'était trop frérot. Bien, c'était un régal. Lolo Titi 16, ah attends, il y a des gens qui mentionnent.
Ouais, il le mentionne pour lui dire de répondre. Il abuse, le Lolo. Réponds, Lolo. Allez, Lolo. Allez, Lolo, bah... réponds. Ah, c'est bon, il a répondu. Bravo, Lolo. Yeah. Et bravo. Ah, il devait être en panique, régale, là. Merci, il a dû frérot, cliquer à toute vitesse là pour aller sur la messagerie. Ben, bah, frérot, merci pour lui, mon Seb. Et puis, à samedi dans Derrière la Porte 2, n'est-ce pas? Oh, ça sort samedi, là. Ça sort samedi, là. Oh là 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 là, est-ce que les gens sont prêts? Ah, les gens savent pas. Et ils savent pas l'autre truc que t'as fait qui est légendaire aussi dans l'autre vidéo. Oui, on dit pas aussi. Ah là là, alors ça. On dit rien. Les gars, vous allez voir, Seb, il était en forme. J'ai très hâte. Seb, il était très en forme dans les deux formats. Vous allez voir, les gars, quel courage, putain. Mais toi, t'as une aura mystique, frérot. C'est pas possible. Tu fais des trucs de fou, tout se passe bien. T'arrives, tu hop la PS5 en claquant des doigts alors que Kamel, il vient de gagner une PS5 déjà. C'est dingue, ça. Mais mec, je sais pas, j'ai un truc. Je sais pas, j'ai un truc autour de moi. Vous voulez que je vous dise le score du match de. Du match de quoi ? Mercredi là ? Vas-y. Le score, hein. Vas-y. Non, je vais créer des problèmes. Vas-y. Ok, mercredi, écoute-moi bien. Il y aura 2-2 et ça va se jouer au tir au but. Ça va être choquant, mec. Si. Frérot, si se passe ça, on est plus potes. Je te dis, c'est trop mystique, c'est plus possible, frérot. On est plus potes et je vais avoir une discussion avec ta maman là parce que c'est pas normal. Si t'as raison, c'est pas normal. Je préserve de dire c'est qui, mais les gars, au tir au but. Okay. C'est, y a un vrai enjeu, vous allez voir, on va vibrer jusqu'au bout. Le match était genre incroyable, vous allez voir. Ok, j'entends. Bon bah frérot, merci d'être passé. Fais des bisous. Prends soin de toi. Merci à toi. Merci mon frérot. Salut. Merci mon Seb. Salut tout le monde. Ciao. Ciao, bisous. Du bruit pour Seb dans le chat.